Le Roosters, nouvelle vidéo aujourd'hui. Et aujourd'hui, on vous propose une nouvelle routine abdominaux. Que les avantages. Trois avantages. Premièrement, ça nécessite aucun matériel, donc vous pouvez la faire où vous voulez. Deuxièmement, ça va très vite, donc gain de temps énorme. Et troisièmement, on sollicite tous les abdominaux, que ce soit le grand droit, les abdos du bas, les obliques. On travaille ça de manière sit-up, en crunch ou en gainage. Let's go. Alors, cette routine est composée de 5 exercices. Premièrement, sit-up. Donc, je mets dans cette position-ci. Je tends les jambes, je tends les bras. Et je reviens. Une, j'inspire. 2, 3, expirez bien quand vous repartez. Quand vous êtes ici, il faut toujours que les lombaires soient en contact avec le dos. Jamais creuser, donc toujours en contact pour bien fermer, ouvrir, fermer. Premier exercice. Pour ce qui est du deuxième exercice, je me remets sur le dos. Je mets les jambes à 90 degrés par rapport au buste. Et je travaille avec une main. Je vais aller chercher la manuelle à gauche avec la main droite, la manuelle à droite avec la main gauche. Très important de souffler en fin de mouvement. J'inspire, je repose les épaules au sol, on alterne de cette manière. Troisième exercice, je repose les talons au sol, je mets les mains ici en dessous du bassin pour soutenir la chaîne postérieure, je tends les jambes, je ramène, je ne tends plus les jambes, je ramène, à chaque fois que je souffle, j'inspire, la tête reste surélevée. Focus sur les abdos du bas. Quatrième exercice, je me redresse, je choisis un côté. Je me mets jambes tendues, je garde ici au niveau des obliques, je viens toucher le sol, je serre l'oblique, j'inspire, je souffle en serrant l'oblique. La main est ici et vous imaginez qu'il y a un fil et que vous tirez sur ce câble, sur ce fil, pour monter le plus haut possible. Vous en faites 10, vous tournez au sol. Montez au sol, montez même possible. Si c'est trop difficile, vous pliez la jambe qui est en contact avec le sol et vous faites de cette manière-ci. Cinquième exercice. Je me remets sur le dos, je mets les mains, je tends les bras à 90 degrés par rapport au buste et en soufflant, je viens décoller le haut du dos du sol, je replaque les épaules au sol, j'inspire, vous allez sentir la tension très haut au niveau des abdos. Toujours bien souffler, c'est très important ici. Alors au niveau des consignes de cette routine, on va faire ces 5 exercices 3 fois. Première fois, c'est le premier circuit, je fais 10 répétitions de chaque exercice. Pas de pause entre les exercices. Deuxième circuit, je recommence pas 10 fois de chaque exercice, je fais 20 répétitions. Et troisième circuit, je fais 15 répétitions à chaque fois pour ces 5 exercices. Entre le circuit 1 et le circuit 2, je prends 30 secondes de pause. Et entre le 2 et le 3, 1 minute de pause. L'ensemble nous donne maximum 10 minutes de routine. C'est très facile, c'est très rapide. À vous jouer maintenant. Alors, pour que vous puissiez avoir une meilleure vue d'ensemble, je vais la réaliser ici maintenant. Je vais chronométrer combien de temps ça me prend. C'est parti. Faire 3 fois, max 10, à vous de jouer. Donc voilà, on a déjà terminé avec cette routine. Donc comme j'ai dit, ça va très vite. N'hésitez pas à la faire en fin de séance d'entraînement ou le soir chez vous. Essayez de la faire minimum entre 3 et 4 fois par semaine pour voir les résultats. N'oubliez pas non plus qu'une des clés pour avoir les abdominaux, c'est de varier les exercices, de varier les routines. C'est pourquoi on va sortir différentes routines de la sorte sur le channel. Donc n'hésitez pas à rester connecté. Suivez-nous sur YouTube, suivez-nous sur Facebook si vous aimez le content. En tout cas, ça fait toujours extrêmement plaisir. Merci les gars pour le soutien et à bientôt pour les prochaines vidéos.